Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un tuto spécial Halloween que je suis super contente de faire. Bon bah je n'ai pas trouvé de nom spécifique pour ce tuto, alors j'ai décidé de l'appeler la fillette à la bouche cousue. J'espère que le nom est très ressemblant à ce make-up. Enfin bon, si ce n'est pas le cas, j'aurai essayé. Bon bah j'arrête de blablater et puis je vous laisse avec la suite de la vidéo. Je commence tout de suite par appliquer mon correcteur anti-cernes 24 heures de chez Maybelline que je décide de mettre sous mes cernes et mes boutons pour camoufler le tout. J'ai trouvé que l'anti-cerne était très clair, alors j'ai décidé de l'appliquer sur l'ensemble de mon visage pour donner cet effet cadavérique au personnage que j'aime beaucoup. D'ailleurs, comme vous pouvez le remarquer, j'ai l'air d'appuyer fortement sur le pinceau, mais c'est normal car l'anti-cerne sèche très vite et une fois séché, il est très difficile de l'estomper. Ensuite, pour matifier le tout et donner cet effet encore plus cadavérique, je vais utiliser la Invisilose Powder de chez Nocibé, qui est une poudre libre blanche et à la fois translucide que j'aime beaucoup. Passe aux sourcils et pour cela je vais venir les remplir légèrement pour les redéfinir et les noircir un peu. Alors je décide de prendre ma palette Rogue de chez Maybelline et avec un pinceau biseauté je vais prendre le noir et le placer en petit à coup sur mon sourcil pour donner cet effet naturel mais un peu rempli à la fois. Je les brosse avec un goupillon. Ensuite on passe aux yeux et je vais prendre le noir avec un pinceau, cette fois-ci rond et estompeur, que je vais placer sur toute ma paupière mobile pour donner cet effet smoky, mais pas trop. On peut voir que c'est guéri, mais je vais l'intensifier par la suite.
après, je vais intensifier mon ratiel supérieur avec du noir, mais on peut voir que ça n'a pas fonctionné, alors j'ai tout estompé. Ensuite, j'ajoute du noir sur mon ras de cils inférieur et je le fume un peu en le remontant jusqu'au fard du haut. On passe au mascara, pour cela j'applique une base nourrissante de chez Chanel qui va me permettre d'avoir plus de volume également. Vous pouvez opter pour des faux cils, mais moi j'en ai jamais mis. Donc après on applique le mascara de chez Nocibé qui donne du volume à mort. Et c'est le Exception Eyes qui coûte 3 fois rien, donc je vous le recommande. Ensuite, j'ai voulu mettre un peu de paillettes dans le coin interne des yeux pour donner aussi cet effet un peu artistique, entre guillemets, mais ça n'a pas fonctionné non plus. Je passe au contouring avec un duo de chez By Sabrina Adi et j'ai intensifié le tout avec un fard noir pour donner une fois de plus un effet creusé et légèrement malade. Bon, je suis désolée, mais je n'arrête pas de bouger avec la lumière. Il y a eu des problèmes de luminosité, donc je suis vraiment désolée. Je passe à la bouche et pour ça, j'ai fait une bouche cousue tout simplement avec un liner de chez Nocibé. Essayez de prendre votre temps pour que ce soit symétrique des deux côtés. Et ensuite, j'ajoute du fard noir pour des effets de lèvres mordues. Et j'ai donné des coutures, si on peut dire ça comme ça, sur le trait. Et je fais pareil sur mon front et sur mon œil. Vous pouvez rajouter du faux sang si vous en avez envie. J'en avais pas, alors tout ceci explique pourquoi je n'en ai pas mis. Et enfin, je redessine les traits de mon cou pour un effet creusé une fois de plus. Thank you.
Donc voilà, ce tuto est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires et en likant la vidéo. Je vous laisse ici et je vous fais plein de gros bisous.